mais également à Kayes, et un peu partout dans la périphérie de Kayes. Donc c'est des gens qui sont venus de Ségou, de presque toutes les régions du Mali, sauf peut-être le Nord Mali, hein, et qui se sont installés un peu partout ici, qu'on ne peut plus considérer comme étant des esclaves parce qu'ils se sont affranchis. Voilà. Et où se situait à peu près le quartier Médine Liberté? Le quartier Médine, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, quand on parle de Médine, ça c'est le quartier central ici. Mais ce Médine dont vous parlez était situé à côté du quartier Koussané. Il y avait le quartier Walinkané, le quartier Liberté, le quartier Koussané et puis Komantra. Donc, en quelque sorte, Liberté a englobé tous ces autres quartiers-là, quoi, et on les a tous appelés quartier Liberté, en fait. Bon, ce sont les habitants d'ici, avec le transfert progressif du haut commandement militaire à Kayes, hein, et un transfert qui s'est produit de 1880 à 86. Alors, cette population a suivi, et au lieu, contrairement aux autres qui se sont installés dans la ville de Kayes, et ils ont choisi une partie qu'on appelle le quartier Liberté. Mais le gros de la population est allé s'installer dans la périphérie de Kayes. Hein? Et vous voyez même qu'une commune porte ce nom actuellement, on appelle ça Liberté d'Embaya. Liberté d'Embaya, pourquoi? Parce que simplement, c'est des gens d'Embaya qui sont allés dans cette périphérie-là qu'on appelle la périphérie Liberté. Voilà. Donc la commune d'ici est appelée commune de Hawa d'Embaya, du nom du fondateur du village, Hawa d'Embaya Diallo, qui est venu de Konyakari. Et maintenant, Liberté d'Embaya, ça c'est les autres qui sont dans la périphérie de Kayes. Voilà.